six dernières épreuves de lutte ont tenu toutes leurs promesses dans le gymnase annexe du stade Tata Raphaël, particulièrement dans la catégorie hommes des 97 kg. La matinée a vu deux athlètes sortir du lot, le jeune français Koun Kaev tout d'abord. À peine 18 ans, le jeune lutteur a impressionné jusqu'à atteindre la finale. C'est un jeune lutteur qui lutte en 97 kg. C'est un lutteur d'origine tchétchène, un junior première année qui sort des cadets. Et pour sa première compétition senior, il se retrouve en finale. En tout cas, c'est pas une surprise. Et en finale, il a retrouvé le Congolais Aaron Mbo Izom, soutenu toute la journée par le capitaine de l'équipe de lutte de RDC, Andy Mukendi, médaillé d'or la veille. C'est le public, c'est magique. Ça nous donne une force vraiment terrible. Tu ne peux jamais imaginer. Il est en finale. Il va décrocher de l'or. Et c'est donc dans un gymnase en ébullition que les deux lutteurs ont disputé leur finale. Et entre le jeune Koun Kaev et l'expérimenté Mbo, c'est le Congolais porté par son public qui va faire la différence pour le plus grand plaisir des spectateurs venus en nombre assister à la deuxième médaille d'or de la RDC en lutte libre. Avec l'épatant monsieur Mbo qui est venu à bout du français Koun Kaev sur cette prise qui lui a permis de marquer un maximum de points. Et ensuite, eh bien, monsieur Mbo a maintenu la pression jusqu'au bout dans une ambiance, comme vous le voyez, survoltée. C'est une nouvelle médaille d'or pour la République démocratique du Congo, la deuxième. Et regardez comment l'entraîneur fête cette médaille d'or en renversant littéralement son champion. C'est aussi cela, l'image du jour. Ouais, il a récupéré le médaille de la première place. C'est notre champion. J'ai de l'émotion, en fait. Comprendre mon émotion, oui. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Mais ouais, oui, c'est inexprimable. Si la compétition est terminée pour Koun Kaev, elle ne l'est pas en revanche pour Mbo, qui tentera de remporter une deuxième médaille d'or dans ces Jeux. Ce sera cette fois en lutte africaine.